Le menu Orange Clair, contrôle. Alors ce menu va nous servir lorsque nous allons faire des programmes un peu plus élaborés sur Scratch. Donc ça va permettre de pouvoir contrôler des lignes de commande, contrôler des instructions, contrôler des choses que l'on a envie que notre programme fasse de manière un petit peu automatique. Par exemple, ici nous avons la fonction attendre avec une durée en secondes. Donc nous pouvons dire à notre programme d'attendre pendant un certain temps. Si par exemple vous voulez faire déplacer votre personnage et le faire patienter, vous pouvez contrôler ça. Ça, c'est assez facile. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être ce qui va arriver par la suite, comme par exemple ici, nous avons un petit bloc répété. Vous voyez que la constitution, sa forme est différente par rapport aux autres menus. D'habitude, sur les autres menus, nous avons une seule ligne que nous pouvons imbriquer. Ici, nous avons quelque chose, en fait, un petit peu qui a la forme d'un C, et en fait, qui va pouvoir contenir des lignes à l'intérieur. Et là, vous voyez par exemple, il y a marqué répéter 10 fois. Et en fait, on pourra répéter 10 fois les instructions qui vont être à l'intérieur de ce bloc. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre plusieurs. Et il va répéter 10 fois ce que vous lui mettez à l'intérieur. Vous pouvez aussi le répéter indéfiniment. Imaginez par exemple, prenez votre horloge, si vous faites une montre, ça ne s'arrêtera jamais. Vous pouvez répéter indéfiniment la montre que vous faites. Vous avez un autre bloc, comme ça, toujours qui a la forme d'un C, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des instructions à l'intérieur, qui est un bloc que l'on va appeler un bloc conditionnel. Vous voyez, c'est écrit si, alors. Donc, on va pouvoir mettre une condition. Par exemple, prenez une condition simple, si il pleut, je prends un parapluie. Donc là, on pourrait dire, si il pleut, alors, je vais prendre un parapluie. Donc, si vous réalisez la condition que vous allez mettre ici, dans votre petit bloc foncé, alors vous allez pouvoir faire ce qu'il y a dessous. Dans la même idée du bloc précédent, là vous avez donc quelque chose de plus important. Vous avez quelque chose de plus élargi, c'est-à-dire que vous allez rajouter en plus de la condition si alors, vous allez rajouter un sinon. S'il pleut, alors je prends mon parapluie, sinon je prendrai simplement une casquette. Ça veut dire qu'il fait beau. Donc là, vous pourrez intégrer différents blocs. Si vous réalisez votre condition, c'est-à-dire par exemple s'il pleut, vous prenez votre parapluie. Sinon, c'est-à-dire qu'il fait beau, et bien vous prendrez votre casquette. Vous pouvez aussi attendre jusqu'à ce que une certaine condition puisse être réalisée. Par exemple, attendre que la pluie s'arrête. Ça, vous le déterminez avec cette fonction-là. Vous pouvez également répéter jusqu'à ce que vous réalisez votre condition là, dans ce bloc foncé. Un point qui est important aussi, c'est ce petit bloc qui s'appelle stop. Stop tout, notamment. Vous voyez, alors celui-là, il a la particularité, regardez en dessous, il n'y a pas de petit argot pour pouvoir s'imbriquer à autre chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit terminer une instruction, terminer un programme. C'est particulièrement utile, notamment si vous êtes dans des boucles et que ça continue tout le temps et que vous avez envie de pouvoir arrêter votre petit programme. Donc pour cela, il faut utiliser la fonction stop. Ici, vous recommencez, vous voyez donc à nouveau, comme dans les événements, vous recommencez avec une ligne qui s'appelle quand je commence comme un clone, qui est une instruction de démarrage. Vous voyez, on ne peut rien mettre au-dessus. Alors pour cela, quand je commence comme un clone, regardez, vous avez aussi créé un clone de moi-même. Quand vous cliquez dessus, votre personnage se dédouble. Regardez, là, si je les déplace dans mon interface, ils sont tout seuls. Lorsque je clique sur créer un clone, je viens de créer un clone du dernier personnage que j'ai fait. Mon premier qui est ici est toujours unique, mon deuxième est là, et le clone est là. Et je peux donc supprimer les clones que je viens de créer. Voilà pour les contrôles.